Elle est où, Amelka? J'en peux plus d'attendre. Pourquoi ça lui prend si longtemps? Le McDonald's est tout prêt. Il y a peut-être une file d'attente aujourd'hui. J'en peux plus d'attendre. Je suis rentrée. Alors, tu l'as? Ouais, montre-nous, allez. Oh la vache! Le voilà! Le chèque Grimace! Leur légendaire boisson TikTok! Mais elle a l'air très différente dans la vidéo. Amelka, es-tu sûre d'avoir acheté la bonne? Oui, bien sûr, c'est juste une tasse différente, mais la boisson est la même. Bon, d'accord. J'ai trop hâte de l'essayer. Moi d'abord! Attends! Vous n'avez pas peur de la boire? De quoi on aurait peur? C'est juste un milkshake! T'as pas regardé les TikTok? Ce cocktail cause des effets secondaires! Arrête de t'inquiéter! Moi j'ai entendu dire que Grimace vient à certains d'entre eux! Grimace n'existe pas! C'est juste un smoothie aux myrtilles, voyons! Mais dans la vidéo TikTok... Ce sont que des vidéos! Allez, faut pas croire à toutes ces conneries! Bon, très bien! Alors je vais l'essayer! Moi aussi! Et moi! Attends! On devrait faire un TikTok aussi! Bonne idée! Attendez ici, je vais chercher mon téléphone! Salut tout le monde, c'est moi, Amelka Caramelka, et aujourd'hui, nous essayons un shake Grimace. Wouh! On dit que c'est dangereux et que ça fait perdre la tête, du genre. Mais nous croyons que nous allons prouver que ce n'est qu'un milkshake normal. Alors, vous êtes tous prêts? Ouais! C'est trop sucré, je n'aime pas. C'est un milkshake normal, rien de spécial. Moi, je trouve ça dégoûtant, il y a trop de sucre. C'est vrai, c'est sucré, on dirait qu'il n'y a pas de lait du tout. Tu vois, il s'est rien passé de terrible, c'était qu'un cocktail normal. Ouais, t'avais raison, un milkshake normal. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais? Et ma tête me fait mal. Oups. C'est à cause du milkshake de Grimace. Je boirai plus ce truc. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas un vrai milkshake. C'est un faux. Maintenant on comprend pourquoi le goût était si mauvais. Il fait sombre dans la maison. Je vais allumer la lumière. On dirait que la lumière ne fonctionne pas. C'est étrange. Quelle horreur! Je suis couverte de violet! Mon téléphone! J'espère que la grimace ne l'a pas abîmé. Il fonctionne! Au fait, j'ai enregistré une vidéo! Peut-être que ça m'aidera à comprendre ce qui s'est passé. Voyons voir. Je vais jeter un coup d'œil. Chèque grimace! J'ai besoin de chèque Grimace. Rends-le-moi, c'est à moi. Rends-le-moi. Oh, un chèque Grimace. Hé, hey, c'est à moi. À moi. Hé, hey. C'est à moi. Plus de Grimace. Oh, c'est la pantoufle de Martha, ça. Martha. Il n'y a personne ici. Allô, y a quelqu'un? Amelka, c'est toi! Ouvre la porte! Alors, tu vas pas m'attaquer? Mais non, pourquoi je ferais ça? Tu sais, parce que le chèque Grimace rend le monde fou. Je vais bien, je te jure! Ok, je vais ouvrir la porte. Oh, merci Amelka, c'était effrayant là-dedans. Martha, qu'est-ce que tu faisais là? Je ne sais pas, je me souviens seulement d'avoir bu du chèque à la grimace. Cette boisson n'est rien d'autre qu'un problème. As-tu vu les autres? Non, mais j'ai entendu quelqu'un passer devant la porte. Léo ou Ginny? Non, c'était quelqu'un d'autre. Il était grand et bizarre. C'était peut-être mon père? Non, il parlait une langue étrange, je te dis. C'était sûrement un rêve à cause du chèque à la grimace. Tu dois avoir raison. Allons-y, nous devons trouver les autres. Tiens, j'ai trouvé ta pantoufle. Léo, c'est toi? Léo, attends, où vas-tu? Qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien, allons jeter un coup d'œil.
Hé, Léo, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te caches? Tu ne peux pas me regarder! Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, promets-moi de ne pas rire! Promis, nous ne rirons pas! Jolie coiffure! Ouais, Léo, tu es maintenant le plus à la mode de la région! Désolé, on ne voulait pas t'offenser. C'est à cause du chez Grimace. Il fait probablement une réaction allergique. Comment je vais aller à l'école maintenant? Tout le monde va se moquer de moi. T'inquiète pas, nous t'aiderons à débarrasser de cette coiffure, ok? Ouais, j'ai un décapant en fait. Ça pourrait t'aider. Et je t'aiderai à couper tes cheveux. Vraiment? Oui, mais d'abord nous devons trouver Ginny. Utilise le téléphone. Ginny a toujours la géolocalisation activée. Et comment tu sais ça? Tu la suis à la trace? Non, j'ai remarqué par hasard. Ce n'est pas bien de suivre les filles à la trace. Léo a raison. Ginny est dans le salon en ce moment. J'espère qu'elle va bien. Allons-y. Ginny! Ginny! Où es-tu? Elle n'est pas ici. Son téléphone doit être quelque part ici. Là-bas! Ginny, réveille-toi! Ginny! Maman, encore 5 minutes! Ginny, lève-toi! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais par terre? Le chèque Grimace t'a fait perdre la tête! Comme pour le reste d'entre nous. Le chèque? Mais comment c'est possible? C'était pas un milkshake. Tiens, regarde. Il s'efface avec le doigt. Ça alors, on nous a donc trompés et on nous a donné n'importe quoi! Dans ce cas, c'est pas étonnant que nous agissions si bizarrement. J'ai immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas avec ce gobelet. C'est vrai, le chèque Grimace avait l'air différent sur TikTok. Jolie coiffure, Léo. C'est pas drôle, c'est une allergie. Nous devons nous laver le visage et nous débarrasser de cette saleté. Et mettre de l'ordre dans la maison. Et réparer la lumière. Ouais, on a vraiment merdé, on dirait. Ouais, vous avez promis de m'aider avec mes cheveux, vous. Oui, on va t'aider, une fois qu'on aura nettoyé. Oh, eh bien, c'est beaucoup mieux. C'est occupé! J'ai dit que c'est occupé, attends quelques minutes! Bonjour? Amelka, où es-tu? Martha a tout préparé. Je suis prête. Nous avons seulement besoin d'un décapant maintenant. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai dit que c'était occupé! Amelka, à qui tu parles? Oh, ce n'est que Ginny qui frappe à la porte. Ginny? C'est pas possible, elle est ici avec nous. Ouais, c'est ça, je te crois. Sérieusement, regarde. Mais si vous êtes tous là, alors qui est derrière la porte en ce moment? Oh, maman, qui est là? Les gars, quelqu'un essaie de rentrer. C'est pas possible, il y a que nous à la maison. Va-t'en, toi, ou tu l'auras. Amelka, c'est nous, laisse-nous entrer. Ouvre la porte, Amelka. Vous avez vu qui c'était? Non, quand nous sommes arrivés, c'était vide. T'essaies de nous faire une petite farce? Non! Je vous jure que quelqu'un frappait à la porte, je vous dis. Le chef Grimace a dû te donner des hallucinations. C'est vrai, cette boisson est tellement dégoûtante. Eh bien, vous avez peut-être raison. Ça suffit, j'en ai assez de me promener avec ce gant de toilette sur la tête. Ok, maintenant on va te couper les cheveux. Amelka, t'as le décapant à cheveux, oui? Ah oui, une seconde. Allons-y. Alors Léo, t'es prêt? Ouais! T'as pas idée comment j'ai hâte de me débarrasser de ça. D'abord, je vais asperger tes cheveux pour enlever la teinture. Ça ne fonctionne pas, mes cheveux sont toujours violets. Attends, ça prend du temps. Encore? D'accord. Pendant que la teinture s'éclaircit, je vais commencer à couper tes cheveux. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Trop bien, c'est comme mon ancienne coiffure.
Et même la couleur est la même. Moi, je trouve que les cheveux violets, c'est plutôt cool. Ouais, j'aime ça aussi. Alors tu teindras toi-même tes cheveux en violet. Amelka, qu'est-ce que t'en penses? Amelka, tu nous entends? Hein, quoi? Ah oui, les cheveux violets, c'est top. On dirait que t'étais pas avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, tout va bien. Elle pensait sûrement à la créature qui frappait à la porte, plutôt. Comment tu le savais? Oh, je te connais, c'est tout. T'inquiète pas, Amelka. Tu l'as seulement imaginé, d'accord. Bien, il faut réparer l'électricité et rétablir la lumière maintenant. Je vais appeler un électricien, il va réparer ça rapidement. D'accord, et Amelka et moi, nous ferons le ménage. Ouais, il y a du chez Grimace partout dans cette maison. Ginny, regarde! Qu'est-ce que c'est? Cette substance est partout dans la maison et ça n'a pas l'air d'être du chez Grimace. Mais alors? Je ne sais pas, on dirait de la bave d'un monstre. Peut-être celui qui frappait à la porte. Amelka, ne raconte pas de bêtises. L'électricité est revenue. Je vais ouvrir. Eh oh! Y a quelqu'un ici? J'ai entendu crier. Là! Là! L'électricien, laisse-le entrer. Non, Ginny! Il y avait un monstre! Quel genre de monstre? Il était gros, poilu et violet! Ah ouais, comme Grimace? Oui! Tu crois que je vais tomber dans le panneau? Recule, je vais ouvrir. Non, Ginny, ne fais pas ça! Ginny! Tu vois, il n'y a pas de monstre, alors arrête d'inventer des histoires. Il a dû partir. Alors va le rattraper avant qu'il ne parte. Le monstre? Non, l'électricien. Sinon, nous serons privés de lumière toute la soirée. D'accord, Amelka. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Ça va aller. Désolée d'avoir eu peur, monsieur l'électricien. J'ai cru que vous étiez un monstre, c'est tout. On dirait qu'il buvait aussi un chèque Grimace. Je dois le dire aux autres. Les gars! Non, je dois retourner chercher des preuves avant. Alors les filles, vous êtes prêtes? Ouais. À trois, d'accord? 1, 2, 3. Chèque Grimace! Hé les amis, je l'ai trouvé. L'électricien, il a réparé les lumières? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ça? L'électricien? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a bu trop de chez Grimace. Ça, alors ça veut dire que nous avons eu de la chance? Il devait beaucoup aimer cette boisson, le gars. Ça signifie que nous continuerons à être privés de lumière? Vous avez entendu ça? Qu'est-ce que c'était? J'ai rien entendu. Je crois qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée, les amis. Amelka, t'as encore des hallucinations? Non, je l'ai entendu aussi. Quelqu'un marche en bas. Mais voyons, c'est pas possible, y a personne d'autre que nous dans la maison. Allons jeter un coup d'œil? Non, j'ai trop peur. Même s'il y a quelqu'un, nous sommes plus nombreux et il est seul. C'est vrai, Léo a raison, nous sommes nombreux et il est seul. Allons-y. Allez. On dirait que quelque chose est arrivé. Vous sentez ça? Ça sent le chèque à la Grimace. C'est quoi cette saleté? Qui était en train de cuisiner avec du détergent? Il faut des myrtilles et du lait. C'est faux! Nous avons bu un tel cocktail!
Quelqu'un a remplacé tous les chèques par de faux. Mais qui aurait fait ça? Qui préparait des boissons dans notre maison? C'est le monstre, celui que j'ai vu! Amelka, arrête, il n'y a pas de monstre! Et la grimace? La grimace, c'est de la fiction! Et si ce n'était pas, peut-être qu'il existe? Léo, qu'est-ce que tu sais de ce monstre, toi? Seulement que la grimace prend les milkshakes des gens. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Il prend les cocktails, tu dis? Oh, j'ai une idée! Qu'est-ce que tu prépares? Nous allons préparer un chèque de grimace normal à partir d'ingrédients normaux. Si le monstre existe, il viendra nous chercher, c'est ça? Et nous saurons alors s'il est réel ou non. Je te jure qu'il est réel. Tu le verras toi-même bientôt. De la glace, du lait et des myrtilles. Amelka! Je crois qu'il nous faut plus de lait. Amelka! Peut-être aussi plus de baies. Amelka! Pas maintenant, Léo! Amelka! Encore un peu de glace. Amelka! Je te l'ai dit, Léo, pas maintenant! Et maintenant, il reste qu'à mélanger. Qui ne va pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Amelka! Qu'est-ce que tu veux à la fin? On n'a pas d'électricité! Oh, comment j'ai pu oublier? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, Léo? Ça fait 5 minutes que j'essaie de te le dire! Amelka, regarde, nous avons un mixeur à piles! Mais il est si petit, je vais devoir mixer pendant des heures! C'est bon, ça ira pour seulement un cocktail! Chèque grimace à 100% réel. Est prêt. Il reste plus qu'à attendre notre invité maintenant. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Je voulais seulement essayer. Non, c'est pas pour toi. Je veux juste prendre une gorgée. Je t'ai dit de pas y toucher. Bon, très bien. Ça fait une demi-heure qu'on attend ici. On attendra aussi longtemps que ça prendra. Je dois aller au petit coin. Sois patiente. Le monstre va bientôt apparaître. Comment t'en es sûre? Je le sens, c'est tout. Silence, il arrive. Où ça? Garde la tête baissée. Il est tellement gros et pelucheux. Tu sais, il n'a pas l'air si effrayant. Ouais, il a l'air mignon et doux comme un chat. J'aimerais le serrer dans mes bras. Léo, est-ce que... Attends, où est Léo? Ça alors, j'ai vu une vraie grimace! Il sera dans les tendances TikTok! Oh non, je crois que je suis dans le pétrin! Je retire mes paroles. Il est pas mignon, plutôt très effrayant. Quel monstre! T'as vu ses dents, dis? Oh, Léo, sale gaffeur! Maintenant, nous devons le sauver! À quoi il pensait? Oh, tu sais, il voulait être populaire sur TikTok! Quel génie! Nous devons le rattraper avant qu'il soit trop tard! Je veux pas le boire, je vais faire une réaction allergique au chèque! D'accord, d'accord, je vais le boire! Wouah, c'est dégoûtant! C'est pas un chèque grimace, c'est un faux! Il tient Léo captif! Son nom est Grimace! Nous devons faire sortir Léo!
Vous avez une idée? Le monstre ne s'éloigne pas d'un mètre de lui. Alors on ne pourra pas non plus le distraire. Les filles, peut-être que nous devrions nous déguiser. C'est vrai! Grimace aime tout ce qui est violet! Nous devons nous déguiser en violet! Allons-y! Allez, allez! Je veux plus en boire, je n'aime pas ça! Pitié! Je suis prête. La chance avec la perruque. Fais attention. N'en mets pas partout. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. D'accord. Alors de quoi on a l'air? Comme des schtroumpfs, mais en violet. Maintenant, Grimace ne nous touchera plus. Espérons-le. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le vérifier. Chèque Grimace. Mélange le chèque Grimace. Waouh. Il a lavé le cerveau de Léo ou quoi? Nous devons le sauver avant qu'il soit trop tard. J'espère que nos déguisements vont fonctionner. Bonjour, Grimace. Nous sommes... Ouais, tes assistantes. Et nous sommes venues ici pour... eh bien... Ah oui, pour faire des chèques Grimace avec toi. Qu'est-ce qu'il dit? J'en ai aucune idée, je comprends pas un mot. Il veut qu'on lui en prépare un verre, je crois. Je ne connais pas la recette. Moi non plus. Je vais m'occuper du chèque. Et vous essayez de distraire le monstre et libérer Léo. Ok. D'accord, on commence par le lait. Oui, j'ai compris. Je ferais mieux de prendre... du détergent. Suivant, les myrtilles. Je voulais dire les baies empoisonnées. Le goût des monstres ne sont pas les mêmes que ceux des humains. Hé, Léo, tu vas bien? Chèque Grimace. Mélange Chèque Grimace. Ta grimace a dû lui faire subir un lavage de cerveau. Ça alors, combien il en a bu? Léo, faut qu'on sorte d'ici! Chèque Grimace! Il nous entend pas du tout! Il faut trouver un moyen de le ramener à la raison, et vite! Chèque Grimace! Mélange! Chèque Grimace! Voilà, ton chèque Grimace est prêt! Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Une fleur violette pour le milkshake? Je vais essayer d'en trouver. Léo, tu nous entends? Grimace! Réveille-toi, Grimace n'est pas là! On pourrait essayer l'hypnose? Pourquoi pas? À trois, tu oublieras la grimace. Plus de grimace. Un, deux, trois. Grimace-chèque! C'est inutile, il ne nous entend pas. Si Amelka était là, elle trouverait certainement quelque chose, elle. J'espère que Grimace ne fera pas boire de cocktail à Amelka. C'est vrai, je veux pas qu'elle subisse un lavage de cerveau comme lui. Grimace-chèque! Amelka, nous parlions justement de toi. Grimace t'a offensé? Non, en fait, je lui ai même parlé.
Comment? J'ai pas pu comprendre un mot. Son langage n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. A-t-il dit comment aider Léo? Il faut qu'on lui donne un vrai chèque grimace. Nous n'avons pas ça. Je peux en faire un. Attendez ici. Grimace chèque. D'accord, alors je commence avec le lait. Comme ça. Et maintenant de la glace. Un peu. D'accord, et maintenant les myrtilles. Je crois que c'est bien comme ça. On le verse dans un gobelet. Un peu de crème chantilly. Le vrai chèque grimace est fait. Voilà. Tiens, bois ça. Quoi? Mais où est-ce que je suis? T'as été hypnotisé par un monstre. Hypnotisé? Comment? T'as oublié? T'as essayé de faire une vidéo TikTok et le monstre t'a attrapé et t'a donné un chèque grimace faux. Oh, c'est vrai, je me souviens maintenant. Au fait, Amelka, qu'est-ce que veut la grimace? Il cherche un ingrédient spécial pour son milkshake. C'est une sorte de fleur violette. Elle ne pousse pas dans notre jardin et elles ne sont pas vendues au magasin. Une fleur violette? J'ai une idée. Léo, attends, où tu vas? Si on ne peut pas trouver de fleur violette, alors il faudra en créer une. Mais oui, c'est une idée de génie. Il y a de la bave violette partout. Ça devrait faire l'affaire, ça. Ouais, essayons. Aïe, 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 aïe. On dirait que ton plan a échoué. La bave de grimace est trop toxique. J'ai une idée, les amis. Tu chèques grimace, sérieusement? Essayons, on n'a rien à perdre. Ça fonctionnait, Amelka, t'es une génie! Comment savais-tu que ça fonctionnerait? Je ne savais pas, j'ai juste essayé. Maintenant, Grimace va quitter notre maison. Hé, Grimace! Il a l'air d'être content. Oui, maintenant, il va nous laisser tranquille, finalement. Oh, c'est pas trop tôt. Hé, Grimace, je peux prendre ta photo une dernière fois? D'accord, c'est bon, j'ai compris. Au revoir, grosse peluche, tu reviendras nous visiter. Ne fais pas ça! Je ne boirai plus jamais de chèque grimace. Moi si, mais seulement celui préparé par Amelka. Ouais, les boissons d'Amelka sont sûres. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, alors mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos avec grimace. À plus!